Bonjour à tous, ici donc Jérémy. Aujourd'hui, je viens vous présenter comment supprimer un compte Instagram. On va se rendre à l'adresse accountcenter.instagram.com, l'adresse que vous voyez ici. Voilà, je vais vous la mettre dans la description, hein. L'option est très très bien cachée. Il faut passer par la plateforme de Meta de Facebook depuis votre ordinateur. Donc c'est cette adresse, hein. Vous pouvez aussi y aller depuis votre téléphone. Je vous mets le lien dans la description. Donc on va cliquer là-dessus, hein, sur ce lien-là. Voilà, là, on arrive à la page de Facebook. Et là, vous pouvez supprimer finalement le compte que vous voulez. Alors moi, je voulais supprimer ce deuxième compte Instagram, jeremy.gauthier.311. Voilà. Alors là, vous pouvez désactiver le compte si vous le souhaitez, mais vous pouvez aussi supprimer ce compte Instagram. Eliminar cuenta. Alors moi, c'est en espagnol. On va faire continuer. Là, vous allez rentrer votre mot de passe. On continue. Là, maintenant, vous allez donner la raison pourquoi vous voulez supprimer votre compte Instagram. Moi, je vais mettre otro motivo. Allez, continuez. Maintenant, ça vous dit, ça vous confirme. On confirme les limites, la suppression du compte définitive. Il vous laisse un délai quand même, au cas où si vous voulez réfléchir et tout. Pour moi, ça sera le 5 décembre 2023 que le compte va être réellement supprimé. Éliminez le compte, supprimez, hein, vous validez. Et voilà, le compte est maintenant supprimé. Si vous ne vous reconnectez pas à ce compte avant la date indiquée, donc pour moi c'est en décembre, le compte sera supprimé. Mais si vous vous reconnectez, ça va désactiver, ça va désactiver le processus de suppression du compte. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.